La princesse Eugénie a partagé une réaction hilarante à la demi-finale mordante de l'Euro 2020 impliquant l'Angleterre et le Danemark. Le prince William, président de la Football Association et grand fan de football, a encouragé l'équipe d'Angleterre de Wembley. Cependant, il n'était pas le seul royal à montrer son soutien. Les Sri Lions ont obtenu une place pour la finale de l'Euro 2020 avec la victoire spectaculaire 2-1 contre le Danemark à Wembley, marquant l'histoire alors que l'Angleterre a atteint sa première finale dans un tournoi majeur depuis la Coupe du Monde 1966. Les fans étaient ravis de réaliser qu'un rêve de 55 ans était devenu réalité et les Royals ne faisaient pas exception. Faisant un tour sur un mème de Friends, la princesse Eugénie, 31 ans, a partagé sur Instagram sa réaction à la victoire historique. Elle a posté une vidéo de la scène où le singe de Ross, Marcel, allume la radio, mais au lieu de jouer The Lion Sleeps Tonight, le singe allumait l'hymne emblématique de David Baddiel et Frank Skinner de 1996, Sri Lion. L'expression « ça rentre à la maison » résonne dans toute l'Angleterre, et apparemment aussi dans la résidence de la princesse Eugénie. Il est probable que la princesse ait regardé le match avec son mari, Jack Brooksbank. Il y a à peine 4 mois, ils ont accueilli leur fils August, avant le match contre le Danemark mercredi, la princesse a republié la vidéo du prince Charles et Camilla du groupe des Coldstream Guards jouant la chanson à succès, avec Sweet Caroline, dans le jardin de Clarence House. La mère d'Eugénie, Sarah Ferguson, a également manifesté son soutien en ligne, Gareth Southgate et @England, nous vous annonçons, a tweeté la duchesse des York. Merci au Danemark d'avoir fait preuve d'un esprit sportif et d'une humilité merveilleux. @ChrisEriksen8, nous vous souhaitons un prompt rétablissement, a poursuivi Madame Ferguson. D'autres royals ont également félicité les trois lions pour leur succès retentissant. Le compte Twitter officiel du duc et de la duchesse de Cambridge a tweeté, quel jeu, quel résultat. Un énorme effort d'équipe @England.Tout le pays sera derrière vous dimanche croisillon It's Coming Home.